Allez, hop. On est parti. Je vais enlever l'écran, je vais le montrer un petit peu trop tôt. Salut à tous les deux. Bonjour. Alors, merde, pardon, désolé, j'ai eu un petit écho parce que j'avais la chaîne Twitch allumée en même temps. Putain, je me suis entendu parler, c'était horrible. C'est bon, on va faire un petit faux départ. Et bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui d'OutSystems. Voilà, ça va être l'occasion de découvrir. Je suis sûr que plein de gens sont très curieux d'en savoir plus, moi y compris, parce que j'avoue, j'ai jamais vu cet outil en action, et malgré qu'on en parle quand même assez régulièrement. Xavier, je vais te laisser la parole pour introduire un petit peu ça, puisque c'est toi qui es à l'initiative de cette rencontre. Et puis après, Jessie, tu pourras nous te présenter et puis dire ce que tu fais et pourquoi c'est toi qui va nous parler d'OutSystems. Xavier, peut-être un petit mot déjà pour. Les gens maintenant te connaissent dans la communauté No Code, t'es un membre éminent de cette Oh communauté, là mais je là, vais quand même mon Dieu. te présenter. Eh ben, bonjour à tous. Donc, je suis Xavier. Donc, comme l'a dit déjà Alexis, donc je participe. Du moins, j'essaye de participer au mieux à la communauté en essayant d'apporter un peu mon expertise, si on peut dire, sur certains outils. Et aujourd'hui, donc, je voulais en fait vous présenter, en tout cas, donner la possibilité à Jesse ou Jess d'ailleurs, pour ne pas écorcher. Jesse. Jesse, pour ne pas écorcher ton nom, la possibilité à Jesse donc de nous montrer un peu ce qu'on peut faire avec OutSystems, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est un outil qui pour moi est très puissant, et je pense que voilà, c'est une bonne idée. Je pense que ça peut être une bonne découverte pour certains d'entre vous. Voilà, bah déjà merci Jesse d'avoir répondu aussi rapidement, parce que c'est allé quand même assez vite. C'est très sympa de ta Avec part plaisir. d'avoir accepté de t'être rendu disponible. Je te laisse la parole pour te présenter et présenter l'outil. Ça marche. Merci Xavier, bah, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir que je vais pouvoir vous présenter OutSystems. Donc moi, je m'appelle Jesse Dion, je suis responsable du delivery OutSystems chez Opchain. Donc Opchain, c'est une société qui fait de l'intégration OutSystems. Alors, on fait d'autres sujets, on travaille sur de la big data et de la blockchain aussi, mais on a un focus sur le low-code. Donc je suis responsable effectivement de tous les projets, de la qualité des projets sur la partie low-code avec OutSystems. Donc OutSystems, c'est une solution qui a une vingtaine d'années, hein, qui a été créée au Portugal, mais qui est arrivée en France l'année dernière en fait, hein. Les bureaux d'OutSystems sont ouverts en France l'année dernière. Et donc nous, on est le premier partenaire historique d'OutSystems depuis donc l'année dernière. Je partage Pour... ton écran, tu me dis, hein, Ouais, quand tu vas-y. veux. Oui, bah, tu peux, ouais. Voilà, donc après, pour faire un petit rapide sur mon background, moi je viens à la base du développement logiciel. J'ai commencé sur du PHP, ce genre de choses. Mais j'ai aussi focus métier où j'ai fait pas mal aussi de ressources humaines. Et donc, je trouve ça toujours intéressant d'être entre les métiers et l'IT. Et pour le coup, OutSystems, je trouve que c'est une solution qui répond assez bien à ce besoin de rapprocher l'IT des métiers. Bon là, je vous ai juste affiché le site web d'OutSystems, hein, vous pouvez aller voir, il y a pas mal de documentation, de plus en plus en français, mais pour l'instant, il y a encore énormément de documentation en anglais. Et vous voyez qu'il y a un petit bouton, là, Start Free, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc, OutSystems, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme low-code, pour le coup, hein. C'est pas du no-code, c'est vraiment du low-code. Alors, quelle est la différence? Bien sûr, on peut faire du no-code, et c'est la majeure partie de ce que je vais vous montrer tout à l'heure, hein, ça va être plutôt du no-code. Mais avec OutSystems, on a la possibilité d'enrichir le service de base pour aller plus loin et vraiment customiser avec du vrai code bah, les applications qu'on va produire avec OutSystems. Alors comment ça va se passer? C'est assez simple, hein. OutSystems, c'est basé sur une stack technique .NET, C Sharp. Donc on va pouvoir développer en C Sharp des fonctions qu'on va intégrer comme si c'était du standard dans OutSystems, dans l'outil de développement qui s'appelle Service Studio, qu'on voit en fond d'écran d'ailleurs ici, que je vais vous présenter incessamment sous peu. Il y a vraiment aussi une approche dans OutSystems, aussi côté front, on va pouvoir également ajouter des librairies JavaScript que vous connaissez, des intégrations de cartes, de ce que vous voulez, n'importe quel type de fonctionnalité, on va pouvoir l'intégrer effectivement comme un package aussi dans OutSystems. Donc c'est en ce sens qu'on est vraiment sur du low code, parce qu'on va pouvoir étendre côté back et côté front la plateforme.
aussi dans la démarche, alors je parle, vous me direz si je me trompe, mais je connais pas bien les outils no-code pour le coup, mais la démarche d'OutSystems, en tout cas, sur la partie low-code, c'est vraiment de partir de l'expérience de développement. Essayer que le développeur, en fait, d'accompagner le développeur et de l'aider à développer plus vite, mais qu'il ne soit pas perdu et qu'il ne sente pas que l'outil fait tout à sa place. L'outil va effectivement écrire les lignes de code, mais la logique, finalement, c'est toujours la même. On va retrouver des outils du if, du while, etc. La même logique algorithmique que du développement. Ce qui va permettre, en fait, à deux types de personnes hein, de s'intéresser à OutSystems en termes de création. Soit le développeur, je dirais classique, qui, par OutSystems, va pouvoir développer plus rapidement. Ou ce qu'on appelle aussi les citizen développeurs, qui sont des personnes qui viennent plutôt du métier et qui vont utiliser OutSystems aussi pour leurs besoins propres. Ce qui est intéressant aussi avec OutSystems, en termes de développement d'application, c'est que l'application qui est produite, c'est donc, comme je disais, une application .NET, elle n'a aucun code propriétaire. Donc, OutSystems permet de générer l'application, de l'héberger, mais en soi, le code en lui-même qui est généré, il est totalement, il n'est pas propriétaire à OutSystems, ce qui permet de, si jamais demain on veut sortir, on peut très bien réutiliser le code et l'exploiter soi-même. Je montrerai tout à l'heure, il y a différents types aussi d'hébergement sur OutSystems. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que on n'est pas sur une plateforme de développement uniquement, on est vraiment sur l'ensemble du cycle de vie applicatif. Et donc, ça comprend la partie DevOps avec le déploiement en qualité, en production et toute la gestion, le monitoring autour des plateformes de développement, test et production. En termes de cas d'usage, on retrouve différents types. Hein. Pourquoi on utilise OutSystems généralement? Ça peut être tout ce qui va être application interne. Je pense à beaucoup d'entreprises qui utilisent encore des fichiers Excel pour simplifier des traitements à droite à gauche. OutSystems pourrait permettre de les automatiser assez rapidement. C'est un peu l'exemple que je vais prendre tout à l'heure, notamment parce que une petite démo, c'est assez rapide de pouvoir faire ce genre de traitement. On peut aussi du coup aller couvrir des usages plutôt orientés expérience utilisateur, puisqu'on va pouvoir déployer avec OutSystems sur du mobile, que ce soit en PWA. Donc c'est les Progressive Web Apps, hein, c'est des applications du web que vous pouvez installer sur le téléphone, sur iOS ou sur Android. Et donc, en fait, avoir avec un seul développement, finalement, distribué sur tous les supports et avoir cette cohérence au niveau de l'expérience utilisateur. Et puis, on a aussi cette capacité ou cet usage dans DSI un peu, je dirais, vieillissant, un peu legacy, ou avec OutSystems, comme on est sur une représentation quand même graphique des choses, on va pouvoir beaucoup plus facilement décommissionner petit à petit des systèmes d'information ou des parties du système d'information et permettre à des clients qui traînent ici un peu vieillissant de petit à petit en fait revenir à une technologie plus récente. Donc voilà un peu les différents cas d'usage. Aujourd'hui, nous, par exemple, on traite avec des clients dans le domaine de la santé. On travaille sur des sujets de CRM dans le domaine de la santé, par exemple. On travaille aussi avec des sujets de backbone SI. Donc, on crée ce qu'on appelle un ESB hein, qui permet de connecter tout un SI ensemble. Mais aussi, donc ça, c'est plutôt une entreprise assez grosse, mais aussi, on accompagne une startup qui souhaite lancer un service. Et dans ce cas-là, on développe ce service sur une application mobile grâce à OutSystems. Alors, comment on fait ça? Parce que, effectivement, il y a différents types de licences sur OutSystems, et je finirai un peu là-dessus sur l'introduction. On a, en fait, avec OutSystems, la possibilité de démarrer gratuitement. Et la contrainte, la vraie contrainte, hein, c'est les 100 utilisateurs max. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement vous, si vous voulez tester le produit, bah, vous pouvez vous créer une plateforme avec ce bouton, vous pouvez prendre les cours qu'il y a en ligne, hein, il y a plein de cours en ligne, et vous faire la main dessus. Mais vous aussi, vous pouvez développer un service et le tester, du coup, jusqu'à 100 utilisateurs. Donc ça peut être super intéressant pour faire une levée de fonds, pour faire ce genre de choses, montrer en réel que ça fonctionne. Et puis après, ouais, même pour des outils internes d'une plus petite équipe, 100 c'est déjà une grosse équipe, quoi. On peut imaginer une boîte, une PME, on faire un outil pour 10-15 personnes de l'équipe, bah, donc ça, on peut rester sur du gratuit, quoi. Voilà.
Alors, le seul truc aussi, c'est quand on est sur du gratuit, c'est un seul développeur et c'est on est directement entre guillemets en production. Il n'y a pas différentes instances comme on l'aurait dans les dans le basique, le standard et entreprise. Et après, il y a différentes options de déploiement, etc. Pareil sur la basique, sur la free, pardon. On reste dans le cloud d'Out Systems, là où dans les autres éditions, on va pouvoir aussi avoir des options de déployer en local ou sur un cloud privé, ou en hybride d'ailleurs. Ok. Voilà pour l'introduction. Je ne sais pas si jamais il y a des questions, vous pouvez hésiter à me... Ouais, pour l'instant, on n'a pas de questions, mais n'hésitez pas si vous nous regardez, posez vos questions en même temps, on les prendra en même temps. Quoi. Ok. Je vais juste mettre un slide juste qui résume assez bien, je trouve, l'intégrité de tout ce que peut faire entre guillemets la plateforme, juste pour bien qu'on ait bien la bonne vision. Puis après, je vais basculer sur la démo. Donc, on est sur une plateforme qui permet de faire du développement full stack, c'est-à-dire qu'on travaille bien sur l'interface graphique, sur la logique, hein, les algorithmes, la partie process métier et les data. On va retrouver une plateforme qui est intégrée en REST et SOAP. Vous allez voir, je vais faire une intégration REST assez rapidement, avec des services cloud aussi, type AWS, du SAP, on peut s'intégrer avec les bases de données classiques du marché. Et puis, on a plus de 2500 composants sur ce qu'on appelle la forge. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure. Ce sont en fait une sorte d'app store avec soit des applications complètes, soit des fonctionnalités intégrées qu'on va pouvoir réutiliser. Comme je disais aussi, on est sur une plateforme de développement, mais aussi de gestion du cycle complet. Hein. Donc, on va pouvoir avoir cette gestion entre les différentes plateformes, développement, test et production. Et on est vraiment là pour faire du multi-expérience avec du web, du mobile, mettre à disposition des API aussi. Hein. On peut très bien utiliser OutSystems uniquement pour mettre à disposition des API dans tout le SI ou s'interconnecter du coup avec du chat, la voix, du SMS et de l'email. Quand on parle de mobile, c'est du mobile natif ou PWA ou les deux. Les deux, oui. Les deux, donc natif Android iOS et PWA maintenant. Vous savez, le PWA, c'est depuis les dernières versions, mais c'est assez récent. Mais effectivement, ça fonctionne bien. Nous, on l'utilise pas mal. Ok. Super intéressant. Voilà ce que je peux vous dire sur la plateforme. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre sur la petite démo. Alors, le cas d'usage de cette démo, bon, c'est assez simple. Hein. Je vais prendre une liste d'employés. Là, j'ai un fichier Excel. Mmh. Et je vais l'intégrer, le mettre en ligne et voir comment je peux gérer mes employés en ligne avec un petit dashboard, une petite intégration REST. Ça va vous donner un peu l'overview. Et puis derrière, après, si vous voulez que je vous montre des choses un peu plus précises, eh bien, on ira le faire. OK. Donc ici, je retrouve ma plateforme de développement. C'est un IDE qui fonctionne sous Windows uniquement aujourd'hui. Mais il y a une version bêta qui existe. Alors, je vous la présente pas parce qu'elle est en bêta et voilà, ça pourrait planter. Mais cette version bêta existe sous Mac maintenant. Donc, on a la possibilité d'utiliser Windows et Mac. Mais donc, c'est qu'il n'y a pas de version web, quoi. C'est un logiciel qu'il faut installer. Ouais, c'est forcément un logiciel qu'il faut installer. Après, il y a différents outils qui gravitent autour. C'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, mais qui vont accompagner le développement. Je pense à un outil de contrôle de l'architecture hein, qui permet de faire du contrôle qualité et de la maîtrise de la dette technique, qui lui est en ligne. Mais par contre, l'IDE principale, lui, est bien sur la machine. Ok. Donc, je vais simplement créer une nouvelle application. Hop. Depuis zéro. Alors, il y a des templates d'applications, mais je vais pas les utiliser. Et je vais créer une application réactive. Alors, c'est basé sur la technologie React. Hein. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Reactive. Employee Management. Je choisis la couleur. Je peux mettre un logo. Ça va automatiquement mettre la couleur principale du logo. Bon. Voilà. Donc là, je vais créer une application. Cette application, c'est juste un conteneur entre guillemets, de modules. Vous voyez, il y a différents modules. Je vais travailler dans un seul module là, pour simplifier la démo. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue architecture logicielle, on va vraiment pouvoir décomposer notre architecture en modules réutilisables et avoir des architectures d'applications, des architectures d'entreprise qui répondent à des normes du développement logiciel qu'on retrouve en code classique. Donc, si je veux, par exemple, séparer mes données de mes vues, par exemple, je vais peut-être avoir plutôt un module base de données, enfin un module data, et ensuite un module UI pour la présentation utilisateur, c'est ça? Exactement. Je vais même... sur la partie data, je vais
encore aller plus loin et aller vraiment sur les concepts métiers, la gestion des fournisseurs, la gestion des employés, etc., tout le back-office. Et après, je vais connecter mes vues dessus, et ce qui va me permettre, en transverse sur plusieurs applications, d'utiliser la même base de données avec les bonnes règles de visibilité, et d'avoir, de partager vraiment la partie back-office. Parce que ce que j'ai peut-être pas mentionné aussi, hein, ce qui est intéressant en Chaos Systems, c'est vraiment ce côté développer un SI, plusieurs applications interconnectées entre elles. Alors on peut faire le choix d'en développer qu'une, hein, mais l'outil est vraiment prévu pour gérer plusieurs applications. Donc là, j'arrive dans l'interface. Qu'est-ce que je retrouve en haut à droite? C'est les quatre onglets dont j'évoquais tout à l'heure, hein, la partie process, interface, logique et data. Donc dans l'interface, bah, j'ai les pages de l'application. Je vais enlever le logo parce qu'on ne voit pas du coup. Hop. Ah. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. Top. Donc quand je crée l'application par défaut, bon, bah, j'ai juste une page de login qui est créée. Hop. Voilà, qui reprend les couleurs, que je peux customiser, changer les images, etc. Et puis après, j'ai la partie logique que j'ai évoquée et la partie data où je retrouve ma base de données. Pour l'instant, j'ai juste ma base de user qui est le standard. Hein, j'ai juste une table avec les users. Et maintenant, je vais pouvoir créer des entités. Donc pour créer une entité, bah, soit je fais un clic droit. Donc une entité, c'est une table. Hein. Si je fais un clic droit Add Entity, c'est vraiment créer une. Et je peux aussi l'importer directement d'Excel. C'est ce que je veux faire avec ce fichier-là. Hop. Donc là, le système va détecter le nombre de feuilles dans le Excel et va m'importer autant de tables qu'il y a de feuilles. Et voilà. Donc là, ici, je retrouve la structure de mon fichier Excel qu'on avait juste avant, avec juste un ID en plus, un ID de base de données, hein, et mes différents champs. Okay. Et ils sont, c'est typé. Enfin, ouais, j'ai eu l'impression. Ouais. Non, j'ai... Et il détecte par rapport, il a essayé de deviner par rapport à ce qu'il a trouvé dans le fichier, ou il a mis du texte partout ou... Non, exactement. Il a essayé de deviner. Donc, il va prendre sur le nom et puis il va regarder aussi la donnée en elle-même. Il va d'ailleurs régler aussi la longueur par rapport à la longueur max des valeurs. Donc, ça, c'est bah, bien sûr à faire attention si vous avez qu'un échantillon au fichier Excel. Hein. Mais oui, il va détecter. Et même quand je vais créer des champs, si je fais un champ qui commence par is quelque chose, ça va me faire un booléen, par exemple. Si je mets le mot date, ça va faire une date, etc. Ici, j'ai l'outil de gestion du modèle de données. Donc, en fait, quand je mets toutes mes tables, je peux voir toutes les relations et automatiquement créer des nouvelles relations ici avec sur l'ID, par exemple, tac, tirer mon schéma de base. Donc ça, c'est super intéressant. J'ai un schéma de base de données qui est toujours à jour. C'est intéressant parce qu'on voit que, tu vois, par rapport à d'autres outils no-code plus grand public, entre guillemets, là, on voit bien, par exemple, que c'est une abstraction visuelle, mais de... comment les développeurs travaillent, quoi, tu vois, enfin, les relations, par exemple, en faisant des relations sur les ID, ça, c'est la manière de faire. Enfin, je dis ça parce que c'est intéressant parce que, par exemple, dans Airtable, des fois, les gens, les développeurs, quand ils commencent à utiliser Airtable, ils sont perdus parce qu'il n'y a pas d'ID. Ils disent, mais comment on fait une relation? Alors qu'en fait, c'est une abstraction plus haute, donc très visuelle, et donc juste, tu lis deux enregistrements entre eux, enfin, deux tables entre elles, et donc, mais c'est, enfin, voilà, là, petit à petit, on voit un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, justement, de ce côté faciliter un peu la vie des développeurs, mais en partant plutôt du développeur. Tout à fait. Oui, c'est vraiment partie de la partie dev. Donc, c'est intéressant d'avoir un background technique. Après, moi, j'ai déjà formé des personnes qui n'avaient jamais, qui étaient plus loin que des macros Excel, on va dire, et qui s'en sont très bien sortis aussi. Mais c'est vrai que ça demande peut-être un peu plus de temps, du coup, parce qu'il y a moins d'abstraction. Donc voilà, sur la partie interface ici, je pourrais créer des pages, donc dans mon main flow ici, alors les flows c'est juste un groupement de pages hein, pour s'y retrouver, je pourrais créer des pages, mais je peux aussi utiliser ce qu'on appelle le scaffolding, en fait c'est un accélérateur de création dans OutSystems, où je vais juste prendre ma table ici, je vais la déplacer ici, et automatiquement il va me créer deux écrans, une liste et un formulaire. Parce que bien souvent dans les applications d'entreprise, c'est la base, la liste, le formulaire, ça permet de faire des applications, voilà, création, modification, suppression d'enregistrement. Donc ça, il va tout me créer, et puis derrière, je vais pouvoir customiser, l'améliorer. Et là, déjà, je pourrais publier mon application et avoir quelque chose de fonctionnel. Si je regarde. Ce qu'on voit, c'est les écrans, du coup. Enfin, ça représente les écrans, c'est ça, oui, d'accord. Quand tu arrives sur l'écran en tant que tel. Ouais.
Exactement, c'est vrai que je vais peut-être un peu vite. Effectivement, là, on voit tout le cheminement en fait, de l'utilisateur. À partir de cet écran-là, il peut accéder à celui-ci, etc. Donc, ça permet aussi d'avoir cette vision graphique du parcours utilisateur. Et avec la petite maison, bah, c'est la page d'accueil. Donc voilà, voilà ce que ça m'a généré. Donc ça a repris évidemment les couleurs, ma liste d'employés, les quatre premières colonnes du fichier, c'est comme ça, hein, c'est par défaut, on met les quatre premières colonnes. Donc voilà, si je veux en ajouter d'autres, c'est assez simple. Hein, je vais juste aller glisser, déposer, j'ajoute le pays, hop, voilà. Et je peux les réorganiser avec les boutons qui vont bien, tac. Voilà pour ça. Donc à gauche, je retrouve l'ensemble des widgets disponibles qui vont me permettre, voilà, on voit la table ici, hein, c'est une table. On va pouvoir faire des listes un peu customisées, on va pouvoir rajouter des boutons, mettre des conditions d'affichage en fonction de valeurs, afficher des images, afficher des vidéos, des reporting, des cartes, enfin voilà. Il y a plein de... Là, juste, attends, pour comprendre, le if, oui. Ça c'est dans la page que tu vas pouvoir... Oui. Ok. Par exemple, tu pourrais juste, enfin, juste curieux de comprendre parce qu'on a l'habitude de voir plus, tu vois, des if par exemple, dans, je sais pas, dans un peu des workflows, des trucs comme ça. Mais si tu voulais mettre un bouton qui apparaisse que conditionnellement. Là, typiquement, ce if là, is empty. Donc ouais. Ça, c'est un if. Et si c'est vide, il va m'afficher no items to show. Et si c'est en train de charger, il va m'afficher un loader. Voilà. Et sinon, il affiche la table. Enfin, non, okay. C'est if else pour le coup. Hop, voilà. En fait, si c'est vide, il m'affiche juste que c'est vide. Si c'est pas vide, il regarde s'il est en train de charger. Et s'il est en train de charger, il m'affiche le petit. Ok, hein, c'est marrant. Là, justement, dans le panneau de droite, là, vraiment, là, c'est ce à quoi je m'attendais, tu vois. Mais du coup, d'avoir les deux et la partie visuelle et le workflow qui va avec, c'est pas vraiment dissocié, quoi. Enfin, c'est intéressant comme... Ouais, là, c'est vraiment l'arborescence. Parce que des fois, c'est vrai que pour cliquer sur le bon widget, voilà, hop, ici, avec l'arborescence, on y est tout de suite. Quoi. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est pratique. On peut déplacer directement dans l'arborescence les éléments. Voilà. Voilà pour ça. Donc là, j'ai ajouté les colonnes. Et je pourrais déjà voilà, publier. Donc, quand je publie, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que je viens de faire a été compilé en fait dans un fichier de type XML. C'est envoyé sur un serveur qui lui va interpréter, générer le code, mettre à disposition les applications et me dire quand tout est OK. Donc il va faire les upgrades de base, il va faire tout ce qui va bien. Donc là, tant que t'as pas appuyé sur le bouton publish, tu travailles en local. Exactement. Est-ce que ça veut dire par exemple que théoriquement tu peux travailler sans connexion internet? Alors théoriquement oui. Après c'est vrai que du coup tu peux pas voir ce que ça donne donc c'est ouais. Un peu compliqué mais oui théoriquement tu peux travailler en local et tu peux sauvegarder tes modifications en local si t'as perdu la connexion par exemple. Ouais. Oui voilà en fait en réalité je pense que c'est plutôt ça l'usage parce que plus tard ouais. Tout ce qu'on fait c'est plutôt connecté mais voilà si la connexion elle se coupe ou quoi ça impacte moins que quand t'es dans un outil SaaS, cloud. Alors, tu vois, tu fais du bubble dans le train, t'es mal barré, quoi. Enfin, Typiquement, c'est le cas d'usage. Pour le coup, dans le train, c'est top. Parce qu'effectivement, si on perd la connexion, bah, on peut continuer. Des fois, on ne s'en rend même pas compte. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà, on a cette page avec la liste des employés, les colonnes que j'ai rajoutées. Et puis, si je clique sur un employé, bah, j'ai le formulaire qui va bien. Voilà. Tout simple. D'ailleurs, ça me fait penser à cette histoire de connexion. OutSystem, c'est aussi prévu hein, pour travailler en collaboratif. Donc, effectivement, si on publie à deux en même temps, ça, il le détecte. Il va nous donner les conflits. On va pouvoir comparer et merger le code. Et donc ça va fonctionner, même si, du coup, si je perds la connexion, quelqu'un d'autre a publié avant moi, il n'y aura pas de souci. C'est géré. Donc, voilà. Donc, là, ce que je vais faire pour l'exemple, c'est de sécuriser cette saisie de pays, la liste des pays, elle est toujours la même a priori. Donc je vais la remplacer par l'intégration REST. Bon, on pourrait la sauvegarder. Quand tu dis REST pour les gens qui regardent, qui ne connaissent pas forcément, c'est une API. Enfin, c'est un type d'API, quoi. Mais donc là, tu vas connecter
Enfin bon, je te laisse du coup. Oui, tout à fait. Je vais juste préciser ça parce que en fait souvent, mais c'est marrant parce que tu vois par abus de langage maintenant, enfin en tout cas dans certains contextes, on parle beaucoup d'API, sous-entendu API REST, mais du coup plein de gens ne savent pas ce que c'est que quand si on dit que REST, tu vois ça. Voilà, c'était juste pour. Tout à fait. Donc pour le coup, je vais utiliser un service externe qui propose la liste d'API. Comme ça, je suis sûr qu'elle est, si ce service est de confiance en tout cas, qu'elle est à jour. Ça c'est super intéressant et c'est de plus en plus développé avec les open data en France notamment hein, on a accès à tout un tas de données publiques sur lesquelles on peut se connecter, consommer de l'information et ça je vous invite vraiment si vous avez des cas d'usage à aller regarder un peu ces open data parce que on peut s'intégrer très rapidement avec et donc c'est des protocoles effectivement qui s'appellent REST qui permettent de se connecter à ces données et de les charger. Donc moi ce que je vais faire, c'est pas très joli mais je vais les charger en direct. Bon, normalement, comme les pays, ça change pas tous les jours, je pourrais les charger une fois par mois ou une fois par an. Voilà. Mais pour la démo, je vais les charger en direct. Donc, j'ai trouvé, en cherchant un petit peu, une API REST, d'accord, en tapant REST API Country. Et voilà, je me retrouve ici avec une API qui me renvoie tout un tas de données. Hein, ça renvoie le nom du pays, mais la capitale, longitude, latitude de la capitale, etc. Moi, je suis fasciné par le fait qu'il y a des API pour tout maintenant. Quoi. Il y a des API pour tout. C'est incroyable. Ouais. C'est clair. Et franchement, il faut vraiment. C'est super intéressant de pouvoir manipuler toutes ces données. Il y a plein de choses à faire. Et il ne faut pas hésiter à rechercher un peu parce que c'est tellement devenu simple, entre guillemets, de faire de l'API. Avec REST, notamment. SOAP était un peu plus complexe en termes de mise en place, mise en œuvre. Donc c'est vrai que c'est super intéressant. Donc là je vais utiliser juste une API filtrée sur le nom pour avoir que le nom des pays. J'ai pas besoin de plus, histoire de simplifier les choses. Donc je vais dans la logique métier et là vous voyez que j'ai ma partie serveur ici, c'est ma logique métier voilà de interne à l'application. Donc là c'est mon import hein, de données depuis mon fichier Excel. On le retrouve ici. Hein. Et là-dedans, t'as rien eu à faire. Enfin, ça a été fait automatiquement. Ouais. J'ai fait le clic droit, il l'a fait automatiquement. Alors là, ce qu'il fait, par contre, c'est que il charge les données que si les données sont vides. Donc, si la base de données est vide, il les charge. Sinon, il ne fait plus rien. Tu pourrais modifier pour dire, tu me les charges quoi qu'il arrive, t'écrases la base ou des trucs comme ça, quoi. Exactement. Là, il me dit, voilà, si la base est vide, alors tu continues. Bon, bah là, je pourrais très bien lui dire, ok, j'enlève ça. Je supprime ça et maintenant à chaque publication il va les recharger. Ce workflow visuel c'est vraiment pratique quand même parce qu'on peut suivre, c'est un peu comme Integromat, on peut vraiment suivre ce qui va se passer, les différentes actions que va faire que va dérouler le workflow. Ça c'est plutôt intéressant. Exactement. Et est-ce que tu pourrais par exemple modifier pour dire que ça importe tout sauf une certaine colonne ou un truc dans le genre, enfin tu peux manipuler aussi la donnée j'imagine, enfin. Tout à fait. Donc là, en fait, ici, c'est là qu'il y a un mapping qui a été fait entre la donnée du Excel et la base de données. Dans la base, d'accord. Voilà. Donc lui, il a automatiquement fait mapper les valeurs, mais en soi, j'aurais pu très bien lui dire, bah non, cette donnée-là ne fait pas ça, ou fait un traitement. Recherche-moi par rapport au nom et prénom, l'ID d'une personne si elle est déjà existante. Voilà. Donc là, on va pouvoir effectivement faire des choses très poussées, parce que comme je disais, on a des opérations de base de l'algorithmie, donc finalement, il n'y a pas vraiment de limite, je dirais, dans la création, avec un if, on sait faire du while et du if classique, et puis après, il y a le switch, le for each, et on a à peu près tout. Quoi. Et en fait, quand il manque des choses, ça peut arriver, hein, si on veut gérer des time zones, si on veut gérer du cache, si on veut gérer des choses comme ça un peu plus poussées, tout ça existe dans les composantes .NET hein, donc là il faut s'y connaître un peu plus en développement pour le coup, mais tout ça existe sur étagère dans la forge. Donc finalement il y a des gens qui l'ont encapsulé, qui ont encapsulé les bouts de code qui vont bien pour pouvoir le faire, et donc ça s'intègre ici comme des ronds orange avec des actions. Donc c'est plutôt accessible et en fait on va pouvoir extrapoler ça en action pour isoler des parties et simplifier le code et pouvoir aller petit à petit ensuite faire des choses très simples et faire des recherches à l'intérieur pour améliorer la lecture aussi, parce que bien sûr ça c'est assez rapide à lire, mais des fois on a des algorithmes beaucoup plus complexes.
Donc, si je retourne sur mes intégrations, donc là, je vois que je peux faire du SOAP, du REST et du SAP par défaut. Si je fais du REST, je vais pouvoir exposer du REST. Donc là, c'est-à-dire que c'est moi qui mets à disposition des services ou consommer du REST. Là, je vais aller chercher un service. Donc là, j'ai une méthode, c'est-à-dire que j'ai juste un traitement qui est d'aller chercher les pays. Je le colle ici et je vais tester. Bon. On va croiser les doigts pour que l'API soit fonctionnelle pour cette démo. Oui. Voilà, je vois que j'ai une liste de pays qui m'a l'air plutôt cohérente. Et donc, je vais dire que je copie la réponse et c'est terminé. Donc là, je viens de faire l'intégration REST. D'accord ? Le système a automatiquement détecté ce qui a été répondu, donc le name. Si j'avais mis une liste de 15 champs, j'aurais eu ma structure avec tous mes 15 champs directement ici. Donc, ce qui est intéressant avec OutSystem, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir ce qu'il va y avoir en face dans l'API. Le système va le détecter automatiquement. Une fois que j'ai fait ça, je vais retourner sur mon formulaire, donc qui est ici, hein, Employee Detail, dans l'interface. Et il faut que je mette à disposition cette liste qui est là côté serveur pour l'instant. Il faut que je la mette à disposition côté client. Donc, je vais aller chercher des données. Je fais un clic droit ici. Soit je vais chercher des données dans la base de données, soit d'autres sources. Et quand je dis d'autres sources, en fait, c'est notamment sur des API. Donc là, je fais country list, par exemple, je vais l'appeler comme ça. Et je dois renvoyer une valeur qui est en fait la liste des noms de pays, donc country name list, par exemple. Ça va être de type list. Alors là, j'ai tous les identifiants de la base, il y a plein de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une liste de texte. D'accord ? Je vais juste envoyer la liste des pays, tout simplement. Et là, je retourne dans ma logique, du coup, pour aller chercher ma donnée que j'ai trouvée ici, getRest. Hop, je la glisse. Et j'ai plus qu'à lui attribuer une valeur maintenant de sortie. C'est-à-dire que je dois toujours lui dire qu'est-ce que renvoie cette fonction. C'est countryName, là. Hop. Et je vais faire le mapping, en fait, avec ma donnée getRest. Donc là, je vais chercher la réponse qu'on a vu tout à l'heure. Hop. Et je vais lui dire que la valeur ici, c'est le name. Donc le name de la réponse, je la veux dans la valeur de ma variable countryNameList. D'accord ? Donc cette opération va vraiment lancer au chargement de la page la requête vers l'API et une fois qu'elle a récupéré le résultat, la mettre à disposition sur la page. Du coup, pour peut-être ceux qui sont moins habitués à ce que tu es en train de faire, finalement, ce que tu as fait, grosso modo, c'est que tu as dit dans le champ, dans ma liste déroulante, je vais aller chercher les informations qui proviennent de l'API et je les stocke dans une variable pour qu'elles puissent être lisibles par l'utilisateur qui va cliquer sur la liste déroulante. C'est presque ça. Là, pour l'instant, je n'ai pas encore mis dans la liste déroulante. J'ai juste dit charge-moi la liste des pays dans une variable cachée, pour l'instant elle n'est pas encore affichée, au chargement de la page, et effectivement là je vais faire ce lien avec le formulaire. Ok. D'accord. Donc, je reviens ici. Donc là d'ailleurs, vous pouvez remarquer, hein, c'est souligné en orange, j'ai un warning, je ne l'ai pas utilisé. Je charge des données sur la page et je ne les utilise pas. Il me dit, bah, vous pourriez la supprimer. Donc, il y a pas mal d'aides comme ça autour d'OutSystem, ce qui permettent aussi de simplifier et d'éviter de créer des choses pour rien. Donc là, ici, effectivement, j'avais un champ libre et je vais le remplacer par une drop-down, donc une liste déroulante. Je vais glisser en dessous. Hop. Cette liste déroulante, du coup, je vais la stocker. Donc la valeur, le résultat de cette liste, je vais toujours le stocker dans la partie country. Donc, on retrouve ici ma base de données employee.country. Et je vais lui dire, par contre, la liste de valeurs, eh bien, c'est bien ma country name list qu'on retrouve ici. Donc là, j'ai accès à toutes les données qui arrivent sur ma page. Hein, donc, j'ai ma country name. Et là, il faut juste que je lui dise que la valeur, c'est la value, parce qu'en fait, j'ai que le name, donc il faut que je le mette sur les deux valeurs, option text et value. Donc là, je me retrouve avec lui. Est-ce que ça permet que quand tu fais edit et qu'il y a déjà un pays qui est indiqué, il va sélectionner le bon pays dans la liste? Exactement, exactement. Et généralement, on a quand on fait une liste de valeurs, on a une clé et, et un label. Voilà. Là, pour le coup, pour les biens, pour la simplification, j'ai fait ça. Après, effectivement, normalement, je dois avoir le code du pays, par exemple,
en base, et puis l'affichage. Ça permettrait quoi? Ça permettrait notamment de le traduire, voir le nom du pays traduit. Donc maintenant, ce champ-là, je le supprime, et je vais rattacher le label sur le nouveau champ. Le label, voilà, il me permet juste de dire que si ce champ-là est obligatoire, genre une petite étoile rouge, et puis aussi en termes d'accessibilité, si je clique sur le label, ça va mettre le focus sur le champ. Donc voilà pour cette intégration. Donc là, maintenant, je peux republier. Et donc là, effectivement, à la création, je vais avoir ma liste, et puis à la modification, ça va sélectionner par défaut la bonne valeur. Alors, comme je le disais, on est sur une intégration en direct, donc je dépends des performances de l'API, et je dépends aussi de ma connexion, ma propre connexion Internet. C'est pour ça que normalement, on fait pas ça comme ça. Vous voyez, hop, ça met un petit peu de temps. Mais voilà, j'ai bien ma liste de pays. Est-ce que tu pourrais le faire, par exemple, pas à l'arrivée sur la page, mais de manière régulière, plus côté back-end, tu vois, genre tous les soirs, récupérer la liste et puis la stocker quelque part ou... Exactement. Donc là, ici, si je voulais faire ça, je pourrais très bien créer une entité, hop, country, par exemple, avec un name, voilà. Et puis ici, dans mes process, ici timer, je pourrais créer un timer qui lui dit lance-toi tous les jours, tous les matins, et va mettre à jour les pays à partir de l'API. Et comme ça, j'aurai des pays directement en base. Voilà. Ok. Donc ouais, le timer, ça permet de programmer des flows comme t'as fait, par exemple, comme ce que tu as montré avant, la requête à l'API stockée dans une variable. Fin... Exactement. C'est vraiment toutes les tâches planifiées ou ce qu'on appelle des fois les tâches cron ou les jobs en fonction des outils. Ça permet effectivement de planifier n'importe quel traitement, soit de manière on va dire répétitive sur le temps, soit à des moments précis. Typiquement, cette action-là, c'est le chargement des données de base en fait hein, de mon fichier Excel qu'on avait tout à l'heure. Bah lui, il se fait uniquement quand je publie. Quand j'appuie sur le bouton de publication, il va voir s'il y a des nouvelles données, il va les charger. Donc voilà. L'autre chose que je voulais vous montrer aussi, au niveau interface, et tout à l'heure, je vous ai parlé de scaffolding qui permet de créer des écrans rapidement. Il y a un autre aspect du scaffolding qui est intéressant, c'est qu'il y a des écrans qui sont pré-réalisés par OutSystems, un petit paquet, hein. Vous voyez qu'il y a toute une liste avec un peu new ici, donc c'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent qui sont assez récentes. Et en fait, ces écrans ne sont pas des coquilles vides, hein. Ils arrivent avec un certain nombre de widgets et des données de démo. Et on a la possibilité en fait de les utiliser et de remplacer les données de démo. Alors, c'était pas celui-là que je voulais, je me suis trompé d'écran. On a la possibilité en fait de remplacer les données de démo. Je vais vous montrer ça assez rapidement. Je vais faire sur le dashboard en faisant des glisser-déposer comme j'ai fait tout à l'heure. Ce qui va permettre vraiment aussi d'accélérer la conception des écrans et surtout de respecter finalement une sorte de cohérence dans l'interface. Vous voyez, ça c'est un écran de gestion des demandes. Mais si je reprends mes employés de tout à l'heure, je vais pouvoir remplacer les données directement. Hop. Et je vais faire la même chose ici. Et vous voyez que maintenant, on ne parle plus de demande, mais d'employé directement. Bon, après, il y a des choses qui sont en dur. Hein. Le nom d'employé, c'est un texte en dur. Bon, bah, ça, je vais pouvoir le convertir en expression pour le calculer dynamiquement et lui dire, hop, donne-moi le compte des employés. Get employee count. Hop. Et là, ici, comme ça, dynamiquement, j'aurai mon nombre d'employés qui va apparaître. Ici, il attend des employés par statut, mais moi, je n'ai pas de statut sur mes employés. J'avais des pays, donc je vais pouvoir modifier ça, pareil, avec ce get chart data. Donc ça, c'est vraiment des données qui ont été récupérées de la base pour afficher ce reporting. Et je vais simplement lui dire de compter sur le pays. Je groupe mes données par pays. Et lui, il y avait déjà un count qui était fait, donc il va compter maintenant par pays. Mais France 4, Nouvelle-Zélande 1, etc. Ça correspond aux données de mon fichier Excel.
Hop, dashboard. Et ici, je vais pouvoir, c'est en rouge, hein, vous voyez que comme j'ai des erreurs, je ne peux pas publier. Et ici, il me dit, hop, cette donnée-là, elle n'existe pas, le label. Effectivement, maintenant, ça s'appelle country. Donc, j'ai fait ça. J'ai juste à changer. Errant quand même. Et à dire que mon dashboard est la valeur par défaut, la page par défaut. Tac. Et maintenant, je peux publier à nouveau. Et je vais avoir maintenant ce dashboard dynamique avec mes derniers employés et la répartition par pays. Par contre, dans la fenêtre là, dans laquelle tu travailles, les données, elles ne sont pas dynamiques, quoi. Enfin, par exemple, tu as changé l'expression, mais d'accord. Tu es obligé de publier pour voir vraiment ce que ça donne. C'est ça. Alors, en fait, ce qu'on peut faire ici, c'est mettre... Alors, ici, j'ai un exemple. Donc là, il y a un exemple qui a été mis. Si je l'enlève, ça me dit juste expression. D'accord. Ça me dit juste que ça va le calculer. Parce qu'en fait, là, j'ai un count, tout simple. Mais en soi, je pourrais mettre des parenthèses, afficher d'autres données, concaténer des valeurs. J'ai vraiment un outil ici, je ne vais pas forcément trop montrer, mais expression editor, où je vais pouvoir, comme en code, concaténer des choses et afficher n'importe quelle valeur à côté. C'est marrant, ça ressemble pas mal à ce qu'il y a dans N8N. Ça, c'est vraiment ce côté à la fois low code et en même temps no code, parce que dans la partie du bas, tu cliquais sur les trucs et ça te génère l'expression. Et puis, tu peux la modifier éventuellement. Exactement. C'est vraiment, effectivement, entre les deux. C'est pour ça que je disais en introduction, c'est un outil qui peut être utilisé par des citizen développeurs ou voilà, des no-codeurs. Et en même temps, des développeurs peuvent aussi s'éclater à l'utiliser parce qu'il y a tellement de choses, tellement de possibilités que finalement, tout le monde peut y trouver son compte. Donc voilà, ce qu'on retrouve, bon, le choix de la palette de couleurs n'est peut-être pas top, mais on comprend l'idée. Si tu cliques dans le donut là, est-ce que tu as un zoom sur les informations Alors là, pour le coup, non. Là, ils l'ont pas fait, ils l'ont pas implémenté. Mais c'est vrai que ici, je dois pouvoir faire. J'ai une option qui s'appelle Clickable et qui va pouvoir faire des choses. Et là, j'ai juste à configurer effectivement l'expression. Tu pourrais par exemple créer une autre page et dire si on clique, on arrive sur une autre page qui nous donne le détail. Exactement. La liste, par exemple, tu pourrais avoir la liste des employés de ce pays-là. Oui, ouais, je pourrais avoir exactement ce que je veux. Typiquement, les reportings, c'est un bon exemple parce que c'est en fait c'est une librairie JavaScript qui existe, externe, qui a été intégrée dans OutSystems. Donc par défaut, j'ai un certain nombre de paramétrages possibles. Et j'ai aussi Advanced, ici. Et je vois que c'est écrit Information to Format using iCharts. Et en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je vais sur la documentation de iCharts, qui n'a rien à voir avec OutSystems, je peux personnaliser complètement le reporting et vous pouvez voir qu'iCharts ça va très très loin. Et ça c'est vrai pour énormément de composants et donc finalement on peut aller très très loin sur la customisation grâce à ça. Et ça me fait rebondir d'ailleurs sur la partie forge que je ne vous ai pas forcément montré. Ça c'est la forge avec tous les composants effectivement disponibles. Tu disais 3000, enfin. Ouais, alors j'ai mis 2500, mais je pense que le slide. Ou 2000, ouais, enfin, dans cet ordre. Il y en a plus maintenant. Des milliers, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, on retrouve ceux qui sont développés par OutSystems. C'est-à-dire que OutSystems, par défaut, n'embarque pas tout dans les applications de base. Hein, on peut aussi rajouter. Et puis, ceux qui sont supportés par OutSystems, c'est-à-dire que OutSystems a approuvé un développement qui est fait par un tiers, les autres. Et il y a beaucoup de choses. Alors, bien sûr, il faut tester, vérifier. Quand il y a des composants qui ne sont pas trop téléchargés, faire attention. Mais globalement, comme c'est du open source, on va pouvoir voir comment ça a été fait et donc contrôler aussi la qualité. Et si j'importe un composant, ce n'est pas moi qui ai créé. L'outil dont je mentionnais tout à l'heure qui contrôle la qualité du développement va aussi le contrôler. Donc, je vais pouvoir aussi savoir si ce qui a été fait par quelqu'un d'autre est de qualité ou pas. Ok. C'est quand tu dis open source, ouais, donc là, le code des composants est disponible potentiellement. Ouais, et est-ce que OutSystems en tant que tel est open source? Alors, non. Le générateur. Pas le moteur, ouais, voilà. Pas le moteur, non. Par contre, effectivement, comme je disais, donc il n'y a pas de lock-in, c'est-à-dire que si j'arrête ma licence OutSystems, je peux récupérer le code et héberger mes applications. Par contre, effectivement, à partir du moment où je modifie à la main le code, bah, je ne peux plus retourner dans OutSystems. Faire le chemin inverse.
Et donc, le code que tu génères, c'est du .NET, c'est ça, il me semble. C'est .NET C# avec une couche React en fonte. Alors, pour j'ai aucune idée comment ça s'héberge. Alors, ça s'héberge sur des serveurs... Ton image a frisé, par contre, mais... Bon. C'est pas... Bon. Est-ce qu'il faut que je relance ou ça va ? C'est revenu ou ? Je sais pas du tout. Non, c'est toujours... Attends, hop, on va revenir... Alors, tac, si je fais ça. Bon, on a perdu Jessie. Bon, ouais, pas beaucoup de questions aujourd'hui, mais bon, après, c'est un outil qui est très spécifique aussi, je pense. Mais c'est intéressant. Ouais, attends, je vais remettre. Ah oui. C'est bon, on t'a retrouvé. C'est bon, on te voit. Ouais. Je te demandais comment ça s'héberger. Enfin, je connais pas du tout ces technos-là. Je suppose que c'est pas des serveurs. Enfin, c'est ouais. C'est des serveurs SQL, ouais. Donc SQL Server, 2IS, Microsoft. C'est ça, ouais, Microsoft. Ouais. Ok, c'est ouais. L'environnement applicatif web Microsoft. Ouais. Ouais. Alors, on a la possibilité aussi. Là, j'ai pas la liste exhaustive, mais elle doit être sur le site, de changer de base de données. Pas obligé de prendre SQL Server, d'ailleurs. Mais par contre, effectivement, le code, ça sera toujours... La partie applicative, ouais, forcément. Le JS, voilà. Ouais. Avant, il y avait une stack Java, mais elle n'est plus maintenue. Je pense, par souci de simplicité aussi, de focaliser sur une technologie, ça paraît plus cohérent. Bon, carrément. Ok, bah écoute, c'est super intéressant. Je sais pas, Xavier, si tu avais quelques questions pour conclure. De toute façon, c'était dit qu'on finirait un petit peu avant 14h pour le prochain rendez-vous. Mmh. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, en tout cas. Enfin, j'avais pas trop à quoi m'attendre et, ouais. Et j'ai trouvé ça assez chouette. Après, c'est un contexte, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions forcément, parce que c'est vrai que ça ressemble moins au genre d'outils qu'on manipule plus dans la communauté no-code, où on est plus sur une abstraction un peu plus haute. Ouais. Après, c'est vrai que moi, en tant qu'ancien développeur, enfin, je suis toujours développeur, ça me parle, quoi. Je vois quelle est l'intention, et c'est intéressant que dès le début, tu plaçais bien ce côté... On part de la logique du développeur, et après, pourquoi pas aussi les citizen développeurs peuvent, enfin, des gens qui n'auraient pas forcément un background de dev pourraient s'en emparer, mais on part quand même de cette logique-là, quoi. Ouais. On n'essaie pas de réinventer une nouvelle manière de faire de la programmation visuelle, mais par contre, on propose une abstraction visuelle intéressante du métier du développeur, quoi. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on essaye d'éviter les erreurs techniques de développement. On ne peut pas déployer s'il y a des erreurs techniques, là. Et on aide les développeurs à se concentrer sur le fonctionnel, à vraiment apporter au métier. Et par contre, dans un environnement de développement. Donc, c'est vraiment un outil qui est vraiment orienté pour aider les développeurs aussi à aller vers le fonctionnel avec plus de métiers. Je trouve ça assez sain, en fait. Ouais, de rapprocher ces deux entités qui, sinon, des fois, ne se parlent pas trop. Xavier, tu voulais dire quelque chose ? Non, mais c'est un peu ce que vous étiez en train de dire là. C'est vrai que c'est un vrai pont entre deux mondes qui se parlent pas forcément. Moi, je trouve ça vraiment très simple d'accès. Alors, c'est peut-être aussi la casquette développeur mais très concrètement, c'est vrai qu'en quelques minutes, là, on a fait une appli, on pourrait faire quelque chose d'un peu plus compliqué, mais en quelques minutes, on peut vraiment faire quelque chose de solide qui va tourner et qui permettrait à un métier de travailler quasiment immédiatement, quoi. Vous faites des formations chez Upchain ? Oui, tout à fait. On anime des formations assez régulièrement, alors des webinars et puis des formations ou des hackathons. On a un hackathon qui va s'animer avec une entité privée, là. Et voilà. Ça, on fait assez et c'est juste pour avoir un ordre d'idée, tu vois, c'est combien de temps, de jours de formation pour, prendre en main l'outil, tu vois, j'imagine bien, tu ne deviens pas expert, tu vois, qu'avec la formation, mais pour avoir un ordre d'idée, est-ce que vous faites des formations d'un jour, d'une semaine Ce qu'on fait généralement, le format que moi je préfère, c'est faire 3 jours d'affilée, donc c'est assez théorique, puis il y a des exercices, en fait, où on construit une application sur les 3 jours, et après, chacun part avec un projet en tête, et on se revoit 2 semaines plus tard, sur 2 jours, 1 ou 2 jours, où là, je viens répondre aux questions, et plus insister sur des parties techniques un peu plus complexes, voir leurs difficultés, etc. Vraiment avoir un accompagnement sur plusieurs semaines, je pense que c'est important,
Ouais. La personne reparte et pratique tout de suite pour ça rentre aussi plus facilement. Ouais, donc façon, c'est de l'apprentissage par l'exemple. Ouais, je pense que c'est laisser mûrir un peu et revenir plus tard, c'est une bonne formule. Ok, écoute, merci beaucoup. J'en merci profite pour saluer Grégory qui était là tout du long. Il nous dit que peut-être qu'il y a moins de monde parce que tout le monde est à la plage. C'est vrai qu'il fait très beau en ce moment en France. C'est, vrai, c'est un peu la fin, en tout cas moi à Nantes. Ouais, c'est clair. Mais écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le train. Ce qui est cool, c'est qu'on a le replay aussi, du coup, qui reste sur la chaîne YouTube de No Code France. Donc, on manquera pas de renvoyer les gens vers ça si les gens qui s'intéressent un petit peu à OutSystems. Et puis, voilà, enfin, on suivra un petit peu. N'hésite pas à nous tenir au courant. T'as d'autres choses à proposer à la communauté pour en parler avec plaisir. Et puis, merci Xavier aussi d'avoir été à l'initiative de ça parce que c'est. Ça permet de mettre un petit peu tous les outils sur le radar aussi, présenter un petit peu même les choses qui sont moins évidentes. Quoi. C'est ça. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.